Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance. 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement. Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Comment peut-on définir la démocratie, la république et la politique? Acceptez-vous l'idée selon laquelle Haïti est dans une situation de non-retour? Si oui, et que faut-il faire pour redresser la barre nationale, pour redresser la situation? L'Occident peut-il empêcher Haïti de s'en sortir? Lionel Casimi, il est professeur et chercheur, notre invité ce soir à Blocus. Alors, grâce à la magie de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, il va répondre à nos questions depuis Paris. Alors, bonsoir et politiquement, et Lionel Casimi, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Bonsoir Pierre-Richard, bonsoir tout le monde, captain de Radio Storm TV. Et TV, tout le monde, tout internaute, tout le monde qui est sur Facebook, que m'a salué nous à soya. Donc, tout le monde qui a attendu, ni dans la radio, ni en télévision, et l'ensemble des fans de Blocus, m'a salué tout le monde. Tout à fait, Lionel. Eh bien, on va commencer par le commencement. Concept démocratie, hein, comment on définit? Est-ce que le gain plusieurs définitions et leur parler de la démocratie ou de faire allusion à qui ça? Non, bon. Il y a plusieurs concepts de la démocratie. Donc, il y a un côté qui est pouvoir par le peuple et, par le, et pour le peuple. Ben, ce qui n'a jamais été le cas. Donc, je prends l'autre définition. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Benjamin Franklin. Benjamin Franklin dit comme ça que la démocratie, c'est comme deux loups qui rencontrent un mouton. Et puis, ils ont discuté qui ça a discuté, qui ça a. De qui ça peut manger à soi. Vous voyez ça, Bédou là? Donc, ça veut dire que l'Ouyo, c'est le parti politique et aussi, il y a un mouton qui peuple là. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est une première définition que baille de la démocratie. Bon, deuxième définition qu'on baille de la démocratie, ça, c'est pas moi-même qui baille, c'est un travailliste anglais qui est député qui est Tony Benn. Tony Benn dit comme ça que la démocratie, c'est voter pour moun, douter qu'on va voter pour moun, et 5 après mettre moun en dehors parce que c'est un qui est incompétent. Ma propre pour vous. Et vote, c'est voter au moun, tout en va douter qu'il est incompétent, et voyez moun aller 5 ans après parce que sûr qu'il est incompétent. Voilà deux définitions que me gagne de la démocratie. Et mon autre philosophe, et qui est Jacques Maritain, Jacques Maritain d'où consacré. J'ai dit démocratie, c'est parce que pas jamais baille démocratie. Au moins, t'as vu là? Donc, il n'y a pas jamais réalisé démocratie. Donc, c'est une question de démocratie. Il y a une réflexion pour nous porter sur lui. Si sa conformité par rapport à Haïti, est-ce qu'elle est conforme, est-ce qu'elle n'est pas conforme? Ça, je ne sais pas. D'accord. En réaliste, en plus pragmatique, Lionel Casimir, est-ce qu'on démocratie pour les grands pays ou bien est-ce qu'on démocratie pour les petits pays, ça qui nous arrive les pays pauvres? Non, ça veut dire que démocratie elle est conforme à l'anthropologie. Est-ce une question? Hein? La démocratie, c'est pour un bagage qui, pour moi-même qui cap marché en Haïti. Pour la simple bonne raison, nous avons un modèle de solidarité, nous avons un modèle de justice et nous avons un modèle de vérité. Est-ce que ça me dit là? Donc, qui est venu, c'est pas parce que 1 million, 10 millions de monde votent et qui fait qu'on ait raison sur 1 million de monde. Est-ce que ça me dit là? Donc, démocratie a dit comme ça que plus de voix, c'est lui qui permet que. Non, ce n'est pas du tout ça. Est-ce une question? Hein?
C'est-à-dire, c'est quelle est la vision qu'on gagne. Et moi-même, principe démocratique, anthropologie pays d'Haïti, il n'y a pas l'autre bagage, c'est la vérité, la justice, et vérité, justice, et puis et solidarité. Donc, c'est ce qu'on appelle la maticratie qui a vécu au moins 400 siècles. Donc, c'est ça qui plus garder nous, à nous garder. C'est même avec le monde. Lors du comment définir le monde, comment définir ou définir le monde comme définir le monde comme un monde qui vient des ancêtres. C'est-à-dire que bon maman t'es bon papa, maman t'es bon patrimoine, papa t'es bon patrimoine. Le problème qui s'est posé, nous pas jamais chercher patrimoine historique nous en quel côté en Afrique, c'est comme si nous dans les choux. Donc voilà, donc en Afrique nous avons la mahat qui dit vérité, justice, solidarité, c'est une question et perfection dans la bonté. Voilà concept par nous qui était capable bien aller ensemble avec nous que on a retrouvé jusqu'à présent en Haïti dans les sections communales, dans les sections rurales, quand on allait le matin au bon petit café, ensuite nous allons travailler ensemble, ça terrain les kumbi tout les corvées, à ce tableau là, et ensuite si nos problèmes qui fait nagati, il y a aussi problème là, ouais, où on les trois piliers, la solidarité, la et la vérité et la justice. Mais est-ce que la démocratie a les marché de pair avec la pauvreté ou bien il pas marché, il pas dans ses collés du tout avec la pauvreté, parce que d'un côté il y a premier la démocratie, ouais, majorité population sombre dans la pauvreté. Non, mais exactement, aux États-Unis, n'après quand on parle de démocratie, il y a plus de pauvres aux États-Unis, tout. Est-ce que c'est une question? Alors, tandis que si nous montons à Haïti dans les années 60, pas de guerre autant de pauvres. Parce que le principe de solidarité, c'est lui qui guide nous. La démocratie, pas qu'à guider nous. Son objectif à atteindre. Mais le fait que nous ne pas regarder l'anthropologie pays d'Haïti, c'est lui qui permet que nous écoutons nous, pour nous regarder qui ça nous gagne comme valeur ancestrale. Et valeur ancestrale, ça, pour mettre dans l'adéquation avec la démocratie, pour dire, bon, mais comment on appelle, alors qu'on nous copie tout le bagage qui soit fini, on va avoir un autre type d'Haïtien, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation que tout côté nous, il y a tué monde, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas comprendre pour ça que les démocraties. D'ailleurs, je vais vous dire, la démocratie, tout esprit de la loi de Montesquieu a parlé de l'IA, c'était pour valider seulement l'esclavage. Toute la philosophie du 10e siècle, c'est valider l'esclavage. Est-ce que vous avez nous là? Pour gagner un, première justification qui justifie l'esclavage, c'est la justification théologique. C'est le pape qui dit « mettez les nègres en esclavage ». C'est le pape Innocent V en 1454. Deuxièmement, on peut avoir le code noir, ouais, on codifie lui. Et puis, en troisièmement, on peut avoir une philosophie pour dire « nègres barrés ». C'est ça exactement. Pour qui ça? Pour cacher et pour te cacher qui ça ancêtres ont fait, parce que les ancêtres ont été maîtrisés. Toutes les opérations mathématiques, maîtriser la trigonométrie, qui forme Thalès, qui forme Platon, qui forme tout le monde. Ça, il fallait le cacher. Nous toujours nous consacrer la philosophie est née en Grèce, mais qui a formé les Grecs? Qui a formé les Grecs? C'est les Africains. Donc, voilà, c'est tout. Pas entier ça, nous t'es retiré de la caille, nous, et c'est pas entier ça que nous aider pour aller pour nous conquérir. Avancé, nous parlons de l'autre concept qui c'est la République. Ça veut dire concept ça. Bon, la République encore, c'est après que Français ont fini faire révolution française, ils parlent instaurer et la République. Mais nous avons l'autre définition, c'est pas moi qui bali, c'est Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt dit comme ça, la République c'est quand les moutons sont armés. Donc ça veut dire que si peuple haïtien compte force lui, il est capable d'inverser tendance qu'il gagne dans le pays pour faire payer aller vers l'avant, parce que pas contre force lui. Ouais. Premier bagage qui vient de nous consacrer. Mouton, c'est peuple, et pas vrai, Mounel, mouton, c'est peuple. Mouton, c'est peuple, mais pas contre force. Et ça me dit tout à l'heure, même nous, comme je dis tout à l'heure, c'est, la démocratie, c'est deux, comme Benjamin Franklin dit, c'est deux loups. Pendant que deux loups ont discuté à mouton, hein, et puis, qui s'est discuté? Il a discuté qui s'est à manger. Gardez pour eux. Plus nous entrons dans la politique, nous arrivons au sommet, nous ne pouvons pas occuper le peuple là, donc le peuple là qui divise le dedans de la face. Est-ce que ça veut dire là? Maintenant, le peuple n'a pas conscience que lui-même, ils sont forces pour changer le pays, mais malheureusement pas canalisé dans la manière pour canaliser, pour changer totalement le pays. Mais là, parler de la République d'Haïti, c'est un concept qui galvaudé. Parce que si mouton a disait les forces là, mais et dans la réalité, nous, mouton, lui dans la crasse. Et mouton.
c'est l'illettrisme, c'est l'analphabétisme. Mouton n'a pas l'hôpital, mouton n'a pas la santé, mouton n'a pas vivre. Mais justement, c'est parce que mouton n'a pas conscient de foi. C'est ça, m'doué. Mais quand les moutons sont armés, mais moutons sont désarmés, c'est une question. Si mouton est armé, est-ce que nous allons manger les moutons? Si les amis le disent, il va capable. Il va tous les amis dans les moutons, mais mouton n'a pas rendu compte quelques amis dans les parce que n'importe quel gouvernement qui est en appel d'Haïti, ou bien 2 millions de monde, il n'y a pas rendu encore. Mais faut qu'on ait conscience de force là. Mais si il n'y a pas conscience de force là, bon, bah, comment il va pour s'en sortir? Donc, son absurdité de parler de la République d'Haïti en clair, est-ce que vous dit? Non, on regarde comment le pays a construit déjà avant de parler de ça. Regardez que après le congrès après le congrès de 29 novembre 1804, nous proclamer et nous font nous proclamer indépendance nous. Là nous font proclamer indépendance nous. Nous disons l'autre bagarre encore. Pas oublier ça nous dit dans la déclaration nous. Et la République que la France exposa à vos yeux a toujours combattu toutes les nations sauf celles qui veulent être libres. Ça c'est écrit noir sur blanc dans l'acte de l'indépendance d'Haïti. Ensuite, la constitution 1805 là, qui ça nous va dit, nous va créer l'empire d'Haïti. C'est une question hein. On regarde pour nous ça trois bagages à côté. Les trois premiers chefs d'État que nous avons créé d'Haïti, comment relé, l'un de relé Dessalines, qui a créé l'empire et l'empire d'Haïti. L'un qui est le Christophe qui crée le Royaume du Nord, l'autre là qui est le Pétion qui crée la République d'Haïti. On regarde dans tous les trois, qui s'est occupé? Dessalines nous a laissé le pays. D'accord? Et Christophe nous a laissé c'est un grand bâtisseur. En tant que bâtisseur, il nous a laissé des choses. Qu'est-ce que Pétion nous a laissé? Eh bien, la division. Et c'est dans la division ça que nous aujourd'hui là. Qu'il faut que nous remontions pendant là pour nous chuter ensemble pour nous raconter nos problèmes aujourd'hui. Pour l'histoire et pour la vérité, Monel, Casimir, pas oublier que nous t'ai étudié dans le livre d'histoire, nous, une histoire certainement et qui mal écrit, parce que c'est nous Bakio qui écrit l'histoire pour nous. Il a toujours dit, bon, Haïti, c'est la première république noire indépendante du monde. Est-ce que ouais, une phrase comme ça, les solides, les bien chita? Non, bah là, Haïti, c'est la c'est premier empire des Caraïbes. C'est l'empire d'Haïti qui gagne dans les temps modernes. Et ma contre, l'avance que Haïti gagne, que nous parlons nous contre l'avance Haïti dans le concert des nations que nous parlons sur. Nous avons eu trois révolutions. Nous gagnons la révolution américaine. La révolution américaine n'a fait pour une question de droit de douane. Ouais. La révolution française faite pour changer roi. Pour mettre un paquet de putschistes qu'on appelle les républicains. Et ensuite, en Haïti, on peut gagner et une autre bagaille qui gagne, qui doit consacrer dans l'humanité, faut porter un peu l'humanité à l'humanité. C'est la raison pour laquelle l'article 2 de la Constitution 1805 dit de pour mon vivant dans le pays d'Haïti ou libre. Ça veut dire que c'est la liberté portée au plus haut niveau. Mais pas oublier tout. Les gros débats que tu as fait en France sur la question des droits de l'homme, la question des droits de l'homme, tu as parlé en France. Ça, qui ça veut dire? Vous te dit, est-ce que les nègres sont dedans? Eh bien, il y a le fait vote, eh bien, il te met, sauf l'abbé Jallet qui a dit que périssent les colonies, qui demeurent un principe. Ouais, donc voilà, il y a lousé nous, à onser de bagarre, et ça nous pas garder anthropologie pays nous, et si nous pas garder anthropologie pays nous, comment on a fait pour nous en sortir? Mais en tant que chercheur, corrigez-moi, si c'est premier empire, et d'Haïti dans les Caraïbes modernes. Oui. Mais nous avons dit la première nation est libre aussi. Nous avons une nation? Non, attention. Nous sommes en phase pour construire une nation. D'ailleurs, la nation n'est jamais construite. Est-ce que comme ça? Nous ne sommes pas une nation parce que quelle est la vision commune que nous avons? Nous n'avons aucune vision commune. Est-ce que ça veut dire là? Ou dans des nègres en haut, nègres en bas, etc. Non, c'est que nègres en haut et nègres en bas doit mettre tête ensemble pour bâtir une nation. Et c'est là que travail nous doit pas gagner nèg en haut, pas gagner nèg en bas. Nous sommes tous des Haïtiens. En tant qu'Haïtiens, tout problème pays a concerné nous. Qu'est-ce qu'on va faire pour permettre aux Haïtiens de s'en sortir, point barre. Oui, mais après 1804, après révolution ça, et nation t'es constituée. Puisque t'es gagné l'Union des Noirs et l'Union des Noirs et des Mulats qui baillent révolution, bah qu'on est. Non.
Mais ça, et ça m'a, si ça me relaye que pour une voiture pour aller au cahier pour vivre mes jours, casser tête, retourner. Mm-hmm. On a assassiné Dessalines. Le projet de Dessalines n'a pas été au bout. Est-ce que ça me dit là? Mm-hmm. Si le projet n'a pas arrivé au bout, pour que nation, ou t'es bien bouté avec nous, t'es conquéré, alors, m'bral, nous, bagay, il ne faut pas oublier que Dessalines t'a dit mettre un pile fort en pour protéger la souveraineté de ces pays. Est-ce que ça me dit là? Mm-hmm. Après qu'ils soient pas gagnés, en 1825, ou pas de souveraineté encore, lorsque nous faisons constitution, pas bien la constitution 1805, il était préconisé, il était préconisé la laïcité. Alors, tandis que la constitution 1816, créé par Pétion, nous parlons de l'autre bagaille. Est-ce que vous avez une question? Ça veut dire que nous n'avons pas eu le temps d'arriver au CAI, nous arriver et graisser, nous casser tête, nous tourner pour le point, si ça ne peut pas permettre la nation à construire. Mm-hmm. On va regarder l'autre concept blanc qu'on a qui c'est la politique. Il y a un monde qui dit politique là, son bagaille qui est noble, mais en Haïti, l'autre dit faire de la politique, ouais, c'est peut-être défendre l'intérêt mesquin, c'est l'assassinat. C'est le vol, c'est la corruption, c'est ouais, tout ça négatif, yo, c'est néglacé. Mesdames, vous avez dit, former à la faculté de la médamologie, ouais, c'est trompeur, c'est rusé, c'est utiliser tous les moyens pour arriver au pouvoir. Alors que politique en par contre ça, pour qui ça a un côté ou dit politique en l'innoble, alors que la caille pas nous debout, moun même peut faire politique. Vous dites, ah, m'pas faire politique pour ne pas touye, pour assassiner, pour ne pas ceci, pour ne pas cela. Et de m'comprendre de après ça, yo, gon côté le noble, gon côté li, gon côté le propre, gon côté li mal, m'pas connaît, li sale. Dande, moi-même apprends la définition réelle de la politique. La politique signifie la gestion totale des affaires humaines. Est-ce que ça me dit là? Et dans la gestion totale des affaires humaines, si nous remontons dans l'ancestralité, dans l'ancestralité africaine, c'est ça le problème, non? C'est comme si, lorsque vous dites haïtien, c'est africain, il ne pas comprendre dans quel sens. C'est comme si, ma bon exemple, moi né Port-au-Prince. Mais maman, c'est mon tout chouchou dans Tigouave. Alors, papa, je connais, c'est mon. Et tout cas, imam bakone et nan gantier par exemple. Est-ce que ça me dit là? Mm-hmm. Mais maman m'gon kaote, papa m'gon kaote, je pas, ça a eu le patrimoine. Mais le fait que m'gen de côté, faut m'achercher patrimoine contre maman, m'achercher patrimoine contre papa. Le drame qui s'est posé, c'est que l'histoire d'Haïti, il y a écrit sans que nous-mêmes nous pas remonter vers les racines pour qu'on commence dans cette nouvelle défaite. Est-ce que ça me dit là? Si nous devons quoi commencer dans cette, peut-être nous devons même pas accepter la démocratie. Même nous sommes capables de dire nous sommes une nation, mais comment nation de convivre? Alors, la politique, c'est la gestion de toutes les affaires humaines. C'est pour la raison pour laquelle chez les pharaons, ils ne sont pas joints chez les pharaons, ou pas joints la vérité, la justice et la solidarité. Et c'est ça qui pilier et ben nous. Bon, maintenant, puisque nous arrivons dans une situation où il y a là, nous virer l'oreille nous. L'aime de virer l'oreille nous, ça veut dire que nous venons de trois gros problématiques majeures. Nous venons pas gagner spiritualité qui pour une vision commune du monde, nous pas spiritualité nous. Nous venons pas gagner contrôle système éducatif. Donc, c'est les bourreaux qui ont fait notre système éducatif. Troisièmement, nous pouvons hériter des institutions coloniales qui ne peuvent pas mettre en la gueule côté. Voilà qui ça qui fait que, bon, ouais, que démocratie qui est bas en Haïti, elle vient nous démo pour le pays d'Haïti, au lieu que nous chita pour nous résoudre pour le même pays. Mais la gestion de la cité, et les gestions pas faites, ou bien pas une volonté politique réelle pour faire une bonne gestion. Et là, nous pas dans la politique, là. Ah, bon, par contre, c'est après en Haïti, même après tout le sur politique. Mm-hmm. Non, bien, mon nom dit c'est politique. Bon, côté, il y a une interprétation négative, tout. Il dit c'est pour négla bien trompé, il dit c'est politique qui a fait là. Vous comprenez ça, M'Zouan? Il n'est pas construit, il dit c'est politique qui a fait là. Ou bien m'bakone, li gen plan pour l'assassiner majorité haïtien, li dit, et politique kap fait là. M'bakone, li gen connotation négative, ou presque plus que malheur que bonheur. M'base politique lancé, l'a fait loi pour tes bonheurs, bien fait pour peuple. Attendez, politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire engagement. Qui dit engagement, dit responsabilité. Est-ce une question? C'est ça lié. En fin de compte, bon pauvre haïtien qui dit, l'on prend point, faut payer point. Est-ce une question? C'est celle en politique en Haïti, mon appel, pour que le diable ait payé pour rien. Parce qu'il va y avoir un pour payer.
Alors, tandis que responsable, pas bien, il y a un petit film qui est le Spider-Man. Spider-Man, il dit son nez qui n'a pas quatre, qui n'a gros pouvoir. Mais qui dit pouvoir, dit responsabilité. Si nous-mêmes, en appel d'Haïti, nous prenons pouvoir pour jouissance, et que le peuple a limité, qui pas connaît que l'armée, pour retirer jouissance, ça, ben, c'est pas pour tout. C'est peuple, ou bien peuple a mal canalisé, pour la simple bonne raison, mauvais diagnostic. Si il y a un mauvais diagnostic, il y a obligé de ça. D'ailleurs, la pape d'un bagage, la preuve, on est si grande. Le diagnostic pour nous faire sur d'Haïti, c'est pas de parler de démocratie. Le diagnostic pour nous faire sur d'Haïti, c'est comment articuler le pays autour de la production. Nous ne pouvons pas parler de bagages comme ça. Nous ne pouvons pas parler de démocratie et démocratie a bien tué le pays. Nous ne pouvons pas parler de problème de souveraineté pays. Souveraineté pays a trois piliers là-dedans. La monnaie, la défense et la constitution. Qui parle de monnaie? Qui parle de défense dans la constitution? Qui parle de choses sérieuses dans la politique haïtienne? Dans la politique haïtienne, après, elle prend pouvoir pour faire jouissance. Et la politique, c'est pas la jouissance, c'est une responsabilité. C'est parce que peuple haïtien, son peuple qui pas réfléchi, c'est d'après réfléchi, pas bon menti. Bah, on comprend comment que m'analyser politique haïtienne, non? M'analyser en quatre étapes. Au bon, première étape de 86 à jusqu'en 90, étape de tâtonnement. Est-ce que ça me dit là? N'a pas tâtonné pour nous, ça va bon pour nous, mais malgré tout ça, nous n'avons jamais posé pour le problème de la production en Haïti. Quand nous avons une deuxième étape, que nous avons l'étape de corporatisation du pays. C'est une question. Étape de corporatisation du pays a commencé de 2010 jusqu'à 1990 jusqu'en 2000. C'est quand on va jouer un chimère, ou pas jouer tout un série de bagailles, et ou pas jouer une gang à frapper tout. Est-ce que ça veut dire là? Ça, c'est pour le ou pour la deuxième étape, troisième étape, qui est de bondachérisation. Nous venons au pays de bondachérer net à partir de 2000 jusqu'à 2010. Eh bien, l'année venue en 2010 à Jodia, nous avons une phase comme les cacachualisations. Donc, l'on est venu dans trois, quatre étapes, ça y est, dernière étape qui est la cacachualisation. Étant donné que nous sommes en dehors, que mieux, parce que c'était un pire cheval là, quand même, parce que, excusez-moi, c'est expression cacachual là, cacachual là, il compte faire fumier, et c'est fumier, ça peut permettre pour faire renaissance haïtienne. C'est une question, parce que fumier, l'on plante dans fumier, les bons outils. Et bien c'est un parti de quatre étapes ça yo, pour nous reformuler un autre bagage pour le pays. Pas bon cinquième étape qui capi mal que cocoatisation, cacachualisation, on va dire bouda matin. Pas bien pi mal. C'est bon. On a quatre étapes qui passent. Étape de tâtonnement. Deuxième étape de cocoatisation pays. On a troisième étape. C'est bondachérisation pays, et dernière étape, c'est cacachualisation du pays. C'est une question. Alors, comment dit cacachual, les sexes sont fumiers qu'il y a, parce que nous venons dans le bagage plus. Donc, fumier, il y a l'autre bagage qui a fait, c'est faire bon plan de pousser. Donc, c'est période de naissance qui parle de terre, ou la disparition, tout, parce que c'est soit nous venons, soit nous disparaissons. D'accord, parce que nous avons dit que, on dit nous pas descendre plus bas. Et si rien n'est fait, nous ka soit pas connait, il dit peuple pas quand nous ou bien civilisation ça nous ka perdu lui. Puis ka le j'en dis ouais, il y a deux options là sous table. Soit nous renaître, nous comprendre, soit pas connait nous pas exister encore. Comme peuple parce que nous pas aller là notre trajectoire nous pas aller là. Nous pas aller tout droit là, soit pour nous disparaître ou bien soit pour renaître. Eh bien, ma bédo, en 1939-40, toute l'élite française était corrompue comme l'élite haïtienne. On a vu là, mais où des grands général de Gaulle qui sortit côté sorti, qui mettait la France côté l'IA. On a trouvé nos haïtiens quand même avant pays a disparu. On a trouvé nos haïtiens conscients des situations pour retirer leur salaire. Haïtiens, ça a son messie la pied ou bien la pémergé, ou messie qui a vu le messie? Non, moi, pas j'aime bien messie, ça n'existe pas. Au moins, ça me dit là. Et en plus, messie, on est quand peuple violent, haïtien, bon, si peuple violent. Vous voulez l'un peuple haïtien violent, mais c'est pas un peuple plus violent. Est-ce que ça me dit là? Malgré tout ça qui a passé là, au moins, ça me dit là. Mais toute violence qui a fait en pays d'Haïti, c'est pas au profit d'Haïti, c'est au profit des gens qui a fait mon faire des ordres, et puis on régler pas que ça fait pas. Vous voyez? D'accord. Donc maintenant, pour que. Tout diagnostic qui fait, s'il faut un bon diagnostic de pays, je pense que nous avons une renaissance plutôt que dans la disparition. Le peuple a le gouvernement qu'il mérite. Tu as pensé?
parce que peuple a une responsabilité dans ça qu'a fait là puisque on va dire c'est lui qui choisit mon yo mais le peuple a dit lui-même il pas choisi c'est Bali au Bali il y a deux idées là il y a monde qui dit c'est peuple qui fait choix ou même va faire analyser il y a l'autre monde qui dit peuple pas connait rien dans ça qu'a passé là c'est son pilule la mer yo bail peuple pour boire il est obligé boire réalité qui s'allie m'a bien bien et c'est là pour on comprend technique de bataille de l'Occident. La première des choses, et ça quand tout à l'heure, tout le monde sait, on est très populaire, pas une bonne solution. Le problème qui s'est posé en 1990, n'a posé problème sous trois piliers. Je ne vais pas me dire, c'était un slogan. Justice, participation volontaire, transparence. Mm-hmm. D'accord. Pour faire justice, il faut une production. Est-ce que ça me dit là? Parce que qui dit justice dit redistribution, dit production. Qui dit justice tout, dit aussi lorsque on fait un bagage, il faut le payer pour y donc transparence, la bagage de transparence, lorsque ou même au cas de toute institution qui existait dans le pays, voilà l'erreur que nous avons commise. Et cette erreur-là que nous commettons là, qui mettait dans la situation que nous n'avons pas de descendance, c'est comme si on voulait qu'on descende. On voulait qu'on descende. Un seul bagage pour faire, c'est ou trouver ou chercher un bagage pour bloquer pour camper et l'aile camper pour y a pour dire qu'on a m'a chercher route pour m'aller pour canaliser et c'est ça que le peuple a manqué. Donc, démocratie haïtienne son véritable échec selon vous-même. Bon, avant de dire ça, parce que m'a pas dit que tout bagage nous fait c'est échec, m'a pas dit ça. On s'en va qui gagne. Qui dit démocratie, il dit des élections. D'accord avec moi? Si nous d'accord, on a pas continué. Si pas d'accord, on a passé l'autre. Avancez. Respectez l'opinion. Avancez. Voilà. Qui dit démocratie, des élections? Mais quel qui rôle élection fondamentalement? Élection, il y a trois rôles. Premièrement, c'est consolider l'indépendance nationale pays d'Haïti. Ou d'accord? Deuxièmement, c'est consolider souveraineté pays d'Haïti. Troisième rôle là, c'est élever niveau de vie Haïti et dignité population haïtienne. Est-ce que quoi c'est ça qui fait avec démocratie? C'est une question. Si c'est pas ça, et Haïti qui a le besoin? Les besoins ont état qui gagne trois objectifs. Ça veut dire que les doit ont état et état providence. Ou état providence, c'est-à-dire que lorsque élite haïtienne refuse d'industrialiser le pays, l'État prend des décisions pour industrialiser le pays. Ça, c'est ce qu'on appelle État providence et puis créer des richesses. L'État qu'on appelle. Ça, c'est l'État providence. Deuxième État qu'on a besoin. On a besoin qu'un État, que l'État capable de dire, un État de sécurité. Pour un État de sécurité, il faut bien non seulement une défense nationale, et il faut qu'on force de sécurité interne qui est la police pour résoudre et problème ça. Est-ce que nous baillons de sécurité en pays d'Haïti? Ça c'est et puis troisième étape là, c'est la maîtrise de géospace et géographique. Est-ce que nous maîtrisons espace géographique? Donc ou bien ouais, exactement, cette démocratie a ruiné même toutes les bases qui existaient pour le pays d'Haïti existait. Donc maintenant Haïti capable de en janvier là, c'est pour un pays qui existait, c'est gouvernement pour l'exister. Est-ce qu'on a parlé de Haïti sans ou pas penser avec nos élites? Puisque l'élite Haïti, je pense, il est connecté selon moi-même. Parce que Haïti n'a pas qu'à exister sans nos élites. Selon vous-même. Bon. Ou bien, il n'a existé sans élite là. Ou bien, l'élite là constitue une véritable nuisance même à l'avancement de ce pays. Je ne sais pas. Puisque j'ai écrit un pile livre, j'ai parlé de élite répugnante. Et l'élite là, je ne sais pas. Une élite qui n'est pas à jour. Dis-moi. Non. Non, m'baga dit ça, faut définir le rôle des élites. Rôle des élites, c'est répondre à défi que le pays a gagné. C'est une question. C'est répondre à défi que le pays a gagné. Si nous répondons à défi que le pays a gagné, donc nous avons une bonne élite. C'est une question. La question que m'a posée, est-ce que l'élite haïtienne répond à défi haïtien? Est-ce que vous n'avez pas une réponse à la question ça? Est-ce que vous n'avez pas une réponse à la question posée? Ah, mais la fratratisation du pays, comme on montre exactement, l'élitation est fratralisée, même dans le pays, même dans le petit département de pays, c'est aussi simple que ça. Vous voyez qu'un pays a fratratisé? Donc, ça veut dire que
voilà l'élite que nous gagnons. Et je vous dis, c'est Albanou, c'est Fatra Albanou dans le pays. C'est aussi simple que ça, oui. En fait, quand, ma belle, nous bagaille bien. Lorsqu'on défie, l'élite là, bien, plusieurs défis qui viennent devant. Les gros défis qui viennent devant, le premier défi, ils résoudent. Ça sont élites qui sont compétentes. Est-ce que ça me dit là? Monter à l'élite compétente là pour le peuple à avancer. Mais si défi a vienne présenter une première fois, il vient une deuxième fois, il vient une troisième fois, il vient une quatrième fois pas résoudre, eh bien, ça a quand même trois bagailles. Un, fin du régime politique, révolution. C'est la première des choses. Est-ce que ça me dit là? Fin du régime politique. Deuxième des choses, c'est que Babaou, fin de la nation. Pas oublier, en 1991, l'Union soviétique qui était une nation, lui disparaît comme nation, lui vient une fédération de la Russie. Est-ce que vous avez vu là? Et troisième solution qu'on gagne, eh bien, qui soit gagné, on va bien la disparition des Haïtiens. Vous voyez? Parce que le pays a déjà. Regardez le pays d'Haïti. Le pays d'Haïti parle de bagage. Son hôpital psychiatrique à ciel ouvert, lui, maintenant. Son hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Parce que bien les bagages qui les cite dans le pays pour payer à fonctionner, il y a fonctionné. Et pourtant, il y a des gens qui capotent quoi pour le pays à tout. Mais pas faire appel à eux parce que parce qu'il y a une autre vision du pays. Et payer comme si, il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'on s'est payé à ces pays, pays maman et papa, l'autre monde ne doit vivre. Vous comprenez? L'autre monde ne doit pas porter contribution dans le pays. Voilà la réalité. La réalité. Et ma douane, troisième solution que tu as. Lorsque l'élite n'a pas répondu, pas Mabdo, en 90, nous avons un premier problème, nous ne pouvons pas résoudre. En 95-96, nous ne pouvons pas résoudre. En 2000, nous ne pouvons pas résoudre. En 2006, nous ne pouvons pas résoudre. En 2010, nous ne pouvons pas résoudre. En 2016, nous ne pouvons pas résoudre. Je veux dire, nous, en 2008, nous ne pouvons pas résoudre aucun problème. Eh bien, nous avons trois bagages nous capables d'attendre. Premier bagage qui gagne, la fin, la fin du régime politique, du régime politique. Nous avons gagné aussi. Et la fin de la nation, au troisièmement, comme nous nation déjà, troisième bagage ou capable bien, c'est la disparition, même avec les Taïnos, les Mayas, nous capables de disparaître avec eux, ça, c'est un bagage sous-estimé. Jean, au cas où nous voulons personnel politique, là, si élite l'en répugnante, élite l'en son élite, j'en dis, et qui son élite négative, est-ce qu'on capable, soit qu'à faire élite ça, est-ce qu'on ou ka changer le tout, est-ce qu'on a fait appel avec bah qu'on a travail pour venir dans l'autre élite, parce que au cours de notre histoire élite nous gagne là bah quoi c'est lui même puisque dans l'époque pays pas de type d'élite ça et ça permet que élite ça capable dit et émerger alors que c'est pas dicté là dis-moi non élite ça vient émerger parce que nous pas fait diagnostic. Est-ce que vous une question c'est m'a pas prendre ça tout là c'est comme si que on était fait mal vous comprenez. Si je me fais mal, je me fais mal. Je me fais mal. Je me fais mal. Mais si je me fais mal, médecin, mais qui ça médecin fait? Le médecin dit comme ça. Est-ce que maman te fait mal? Est-ce que papa te fait mal? À partir de ce moment-là, qui ça m'a dit? Il fait un bail qui est pré-diagnostic. Et à la minute que je fais pré-diagnostic, il dit comme ça. Ah, beaucoup de bons médicaments, avant de boire médicaments, je dois faire une prise de sang. Lorsqu'il fait prise de sang, peut-être prise de sang qu'a mené à fond scanner. Est-ce une question, hein? À partir de ce moment-là, il dit, scanner, peut-être scanner qu'a mené une opération, tout. Est-ce que ça me dit là? À partir de ce moment-là, où diagnostiquer, c'est à partir de ce moment où commencer à boire remède. Mais le problème qui s'est posé en Haïti, on n'avait pas compris pour qui ça Duvalier qui était pouvoir. Duvalier parti, parce que Duvalier finit faire une réforme en 1985, et en 1985, et 22 septembre 1985, 4 mois après l'objet qui était payé. Ça veut dire que c'est un problème de production profonde qui était posé en pays d'Haïti. Et si on fait tout le temps ça, c'est parce qu'il était fait importer et manger étranger. Mais en même temps, tout, on a empêché la production haïtienne. Aucune réflexion sur la production. Si pas de réflexion sur la production, on connaît exactement. C'est ça fait que nous voulons côté nous y est là. Vous dites Duvalier était fait en réforme, bah, qu'on est sous trompé. Un référendum, il était fait? Ou bien il était opéré? Référendum. L'idée fait un référendum en 1985.
4 mois après, il va tomber pour qui ça? Il a dit, la prête à président sa vie, la prête premier ministre, la font tout au sein de bagages. Et que, même dans la police aux États-Unis, il a dit son bon travail que monsieur a fait. Puis 4 mois après, monsieur est tombé. Est-ce que ça me dit là? Pour qui ça? Parce que, nous arrivons en 86, nous pas fait diagnostic problème qui était gagné en dans pays, le fait que nous pas fait diagnostic problème qui gagne dans pays, nous partis sur bagaille qui gagne les démocraties, avec toute lacune de production que nous gagne dans pays d'Haïti, et bien je veux dire, mettez-nous côté nous hier. Bon, tout le monde a observé, tout le monde attend, tout le monde, c'est solution. Nous avons un problème déjà. Solution problème payant qui s'allie, Monel Casimir, parce que ou c'est chercheur, ou c'est professeur, parce que et là, tout le monde nous a dit, majorité population d'Haïti à l'étranger, attente par l'autre bagaille. C'est qui le pays a sorti dans salier là, je ne vous dis. Dans quatre figures, il y a des gens qui ont un ensemble de propositions. Un ensemble de propositions, vous faites des gens qui croient que. Son coup d'état peut-être m'a connecté à fait à la Chavez. Il y a l'autre qui croit c'est peut-être une révolution à la Fidel Castro ou bien pas connait l'autre révolutionnaire gagne dans monde là. Il y a l'autre même qui croit que c'est une véritable mobilisation populaire pour faire ça que m'ta relé on table rase. M'pas connait et qui est ça d'ailleurs qui meilleure solution okay. Dialogue national, vous comprenez, et une entente nationale. M'pas connait qui est-ce qui solution. Okay. Non, moi-même, première solution, je suis capable de dire, est-ce que nous sommes conscients que le pays n'a pas dégradé? Si nous sommes conscients que le pays n'a pas dégradé, il faut faire un congrès patriotique. Ce n'est pas moi qui viens avec l'idée, c'est Maître Auster Février qui vient avec. Je pense que c'est une bonne feuille de route pour nous discuter. Pas oublier, c'est Maître Auster Février qui rappelait ça. Il rappelait. Le congrès de Bois-Caïman, c'était pour unifier et pour une vision du côté de aller pour l'esclavage. Galvaniser pour là pour qu'amener la bataille là. Pas oublier que il y a un congrès qui fait, pas tout dans la tête, mais il y a un congrès qui fait aussi à la caille. C'est une question. Hein? Pour unifier commandement militaire. Est-ce que ça veut dire vos étapes, si nous suivons ça dans cette note fait, n'a besoin de solution pour un problème pays. C'est deux congrès patriotiques qui peuvent définir dans l'ensemble et qui problème pays a gagné en fonction des problèmes pays a gagné qui ça nous peut faire couler nous, nous peut achiter autour de nous pour fixer les grands objectifs. Pas besoin de bagarre bien ou pas faire politique sans vision. Premièrement, faut faire recherche. Deuxièmement, lorsqu'on fait recherche là, faut débattre recherche pour faire. Troisièmement, il faut trouver convergence sur la recherche là. Et puis mettez tout le bagage en route, témoigner et lutter pour son besoin faire. Voilà la solution que nous avons. Mais si nous pas fait congrès patriotique là, il y a plein de possibilités. Bon, coup d'État, on mettrait tirer possibilité coup d'État de bagage l'armée. On mettrait tirer possibilité coup d'État. Mais déjà, haïtien, le peuple haïtien était toujours trahi par l'élite là. Mais t'es que Chamal Peral, t'es que Benoît Batraville, t'es que le bout, ou avouent quand même n'importe quel de résistance qui quand même mettait jusqu'à renversement tout ça pas bon en pays d'Haïti. Donc si nous pas traiter problème là, bah comment on a fait pour s'en sortir avec pays dans ça nous là. Il y a plusieurs tentatives qui fait déjà pour nous sortir la donne, même pas qu'on est au grand Occident qui toujours et même sous on va aller pour solution paraître le solution à profiler à l'horizon et puis bon bagarre un coup de guidon fait un coup de 180 degrés fait qui faut recommencer à zéro et des fois c'est Occident. Est-ce que vous pensez que l'Occident bloqué avec nous tous les mêmes parce qu'il n'y a pas de solution pour qu'on parle. Et si c'est au capitaine de solution, non, mais nous pas faire, il faut pas faire solution, même ou pas. C'est parce que nous pas de monde qui a réfléchi. Peut-être solution est nous gagne, n'est pas ou gagne. Est-ce que ça me dit là? Pas nous bagaille, mais les Américains ont beaucoup de choses à gérer. Ou bon gauche qui saute monté au Brésil, ou bien des problèmes qui a posé au Guatemala, ou bien des problèmes qui a posé, mais nous là pour le candidat, ou bien tout un style de problème qui pour gérer. Vous pensez que c'est Haïti, c'est lorsque vous-même, l'État haïtien est incapable de faire des propositions? C'est nous qui sommes capables de faire des propositions, c'est pas mon nom. C'est
nous sommes capables de faire proposition. Parce que l'Occident, et pas l'Occident qui est chez nous, nous-mêmes, nous avons mauvaise volonté, nous-mêmes, tout, nous gardons les gens, et surtout pas sous apparence. Parce que y a des types, je vais vous dire, vous avez un problème encore, plus nous allons à l'école, plus nous allons à l'école, plus nous allons à l'école. Plus nous à l'école, plus nous avons un bon diplôme, plus nous connaissons comme tout le bagage, moins nous avons un problème de pays, moins nous avons un problème de pays. Alors, tandis que il y a des gros problèmes que vous avez, vous avez fait. Ma bon exemple. Vous avez une équipe d'ingénieurs qui est sur la FENCO qui a fait route centrale de Timoun. Mais vous ne pouvez pas que les gros orteils, excusez l'expression, parce que vous avez des habitants de gros orteils. Habitants de gros orteils, vous avez dit, monsieur, si vous la passez là, dans 15 ans encore, monsieur, il n'est pas possible pour nous, nous viendra de la pluie tomber, nous ne viendra pas qu'à travailler. Non, et c'est arrivé en 2008. Et pourtant, c'est bien d'être passé en 2018. C'est une question. Parfois, il faut coûter mon tout, parce qu'il y a un bagage qui est l'expérience. L'expérience des anciens, capable de permettre aux jeunes solutions à problèmes pays. Et c'est ça qui gagne. Hein? Nous ne pouvons pas écouter personne. Et puis, je dis à nous connaître que nous sommes capables de nous mettre et essayer. En pensant que pays a pays, bon, non, excusez l'expression, pays papa nous seul, et puis exclut tout le monde dans le pays, et bien nous n'avons pas une solution dans le pays. Je dis à il faut que nous fassions vivre la nation haïtienne. Donc, pour nous faire de route, pour nous raconter nos bras. Est-ce qu'on va estimer que son honte pour nous, pour majorité nationale, son honte pour les intellectuels, son honte pour et l'on pays qui gagne pile nèg qui connaît lui, on pile nèg qui gagne doctorat et puis c'est ça nous vraiment l'aide dans monde capable ni nèg intellectuel ni nèg qui fait doctorat. Yo mette tout haïtien dans même panier. Est-ce qu'on va estimer que son honte pour nous aujourd'hui hein, pour son pays qui gagne tout nèg qui gagne l'esprit ça yo, ou bande nèg qui universitaire, ou bande nèg qui allait étudier et puis c'est ça n'a fait ces résultats ça, n'a baillé et ces comportements ça n'a pas affiché aux yeux du monde entier. Bon, ça dépend j'en définis intellectuel. Au bon qui intellectuel résout le problème. C'est ça me dit là. Ma bon, c'est très simple. Je suis sorti et Miragouane, je suis allé Tigouave. Mais pas de machine, pas de bicyclette, mais faut me traverser, pas de pont, mais faut me traverser de l'eau. Vous comprenez? Pour me traverser de l'eau, j'ai une première réflexion là. Je me dis, je peux nager, je peux nager. Dans la tête, je me dis, est-ce que si on coulève, m'a fait réflexion là, si je coulève là, ça veut dire que je lève la canne moins, donc il a empêché de nager, je ne vais pas prendre solution ça. Ensuite, on voit l'autre solution, je dis que je prends une chambre. Mais si je prends une chambre dans tout, peut-être que je vais passer dans le gros zébio, je ne vais pas couper une chambre dans la couvée. Ah, je dis solution, ça me retire. Ou une troisième solution qui nous consacre, eh bien, qui ça m'a fait? M'a pompé gommier, m'a coupé pied gommier, m'a fouillé pied gommier, m'a traversé. Et ça, ou une solution et une solution. C'est ça que les principes de navigation. Voilà comment on résout le problème. Là, et intellectuel, c'est résolution et de problèmes que lié. Ou bien, on va intellectuel en Haïti. On va intellectuel en Haïti. Parce que ce problème, il a été entier. Il n'y a pas qu'à résoudre. L'intellectuel, c'est pas celui qui est diplômé, mais c'est celui qui est capable de résoudre les problèmes de sa nation et de sa communauté. Si nous sommes incapables de résoudre les problèmes de la communauté, nous sommes des diplômés ou acculturés, si vous voulez. Nous sommes des diplômés, mais nous ne sommes pas des intellectuels. On va suivre Blocus. N'a pas rappelé invité aujourd'hui. C'est Monel Casimir. Il est professeur et chercheur. Et puis, grâce à la magie de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, on a parlé avec lui depuis la ville de Paris. Et maintenant, on va observer la première pause commerciale là. Au retour après la pause, il y a plusieurs autres questions n'a bien pour aborder dans Blocus avec lui. Pas oublier, n'a pas compté jour, hein, Blocus, et n'a préparé pour la date butoir de la célébration de Blocus qui c'est le 15 août prochain. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de la pause pub n'a tourné tout de suite après.
Merci de votre fidélité. N'a pas rappelé au rap suivre Blocus, ou émission de formation, d'information et d'éducation. Émission à diffuser du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. En clair, c'est jour n'a compté pour la célébration du 9e anniversaire de Blocus, prévu à l'on date là, c'est le 15 août prochain. Et puis, pas oublier abonner avec Chanel YouTube Blocustan, pas oublier liker, pas oublier et partager parallèlement et m'inviter tout et abonner avec Chanel Pamnan, mais ça n'a fait n'a monté sur YouTube écrit Pierre Richard Guillaume Info et abonner avec Chanel ça puisque n'a gagné un pile grande surprise que nous quittons pour sous Chanel ça. Bien entendu, Pierre Richard Guillaume Info. Et maintenant, après, on a rubrique Blocus Publicité. On a fort qu'on a rubrique ça, il visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises, des plus grands petits business, où t'as aimé plus moun parler de lui, plus moun qu'on a. Eh ben, ça pour faire seulement, c'est, et crime, dans deux numéros WhatsApp, 37 62 47 95 37 30 60 79. Et puis, on a fait publicité en pour même qui, et laquelle publicité, quoi, le baou, et plus visibilité. À titre d'exemple, ou gain problème santé ou bien tout mal yo nan dengon ou tan kou et ou gain fibrome, tromb bouché et m'ta ka di kyste ovarien, douleur et dépression, folie pied nan rein, rhumatisme, hémorroïdes, infection vaginale et tuberculose, coronavirus et la trier, mais pas prend temps al fè un check-up, al chèche meton en santé nan laboratoire ak pharmacie remède naturel pou ka lan pa vin pi grave et pou ti soufou pa coupé. Donc laboratoire pharmacie remède naturel ki ap di par le naturopathe maître Jacques Seyus Joseph a traité ou naturellement et médicinalement. Contactez maître Jacques Seyus Joseph, naturopathe là, na avenue La Martinière, Bois Vernat, tout collé à Couillelberne, c'est dans le local Gilles Médical et local Gilles Médical, bien entendu. Et mes téléphones naturopathe là, mes téléphones maître Jacques Seyus Joseph, c'est 31 06 51 19 31 06 51 19, et puis WhatsApp plan c'est 92 92 36 76 48 92 92 36 76 48. Pas oublier mais Jackson Joseph naturopathe là, mettez dehors un produit qui bon en pile pour monsieur qui gagne et problème banyo n'est qui pas capable et camper devant mesdames yo pour du ça relé libido fosfil là, mais qui soit fait de pou fin achete et produit ça nan mais Jackson Joseph et libido fosfil là ou va passer nan périnée nan testicule là à glande surrénale là et puis bâton chocolat ou te met dit bon et déception mesdames yo te kan ap fè nan pa prendre déception ça encore parce que produit ça pral fò tout non tout gondé. Fin de citation. Toujours dans la rubrique Blocus Publicité, hein, et alors, Zanim, nous connaît, et problème spirituel, à problème mystique, ou gagnant, faut souffrir en pile, il faut souffrir en pile, des problèmes mystiques à problème spirituel. Les mêmes faut décourager à la vie, jusqu'à ce que, ou déclarer la vie pas gain sens pour vous, et la vie pas gain sens pour vous, sous bout de ça. Ou connaît Zanim, pas gain problème dans la vie qui pas gain solution. Ou connaît et la plupart faut faire 1000 ans pour la tomber pas jambe gon nuit qui pas gon matin d'elle. Donc les chapeaux l'aime fin danser chapeau pas va danser qui donc dans sens ça sous sans sous envoûté ça fort pas marcher ou porter une croix sous dos pas prendre temps. Contactez clinique spirituelle Gourou Roustan Vital. Alors Roustan Vital, Gourou Roustan Vital lui-même c'est un docteur en magie monsieur, il sait tout kabbaliste, c'est ça fait, il a compétence pour faire bon bain chance pour même, il est capable de résoudre des problèmes ou gain en tout dans foyer, sous gain problème sentimental, quel que soit problème ou gain et ceci lui-même gain compétence pour capable retirer mauvaise énergie qui bloque la vous là. Alors pour tout information ou t'as un main gagné sous clinique spirituelle ça que au stand vital à dirigeant que le goût au stand vital à dirigeant mes téléphones c'est 203 667 14 72 203 667 14 72. Au capable écrire au stand vital tout dans www.vistavital et spirituel et clinique.com
et www.vitalspirituelclinique.com. Ligando l'autre adresse électronique tout qui c'est gouvital@commercial.yahoo.com. Et puis l'autre côté, sous ta main, vin gain plus connaissance mystique, moi invite à aller dans la librairie et sans frontières, côté ou abjoine en pile livre mystique, baleine, l'huile mystique et la trier. Et ben, entreprise à lui-même la dirigée par le gourou et gourou Claude Camille. Ou abjoine gourou Claude Camille en 203-556-76-97. Pas oublié, et mot de passe là, les wap vive, c'est les wap bien vive. Et ça, c'est une phrase clinique spirituelle, Gostan et Vital. En fait, le goût, Gostan et Gostan Vital. Au toujours dans la rubrique blocus publicité, hein, et bien entendu, Frémax Semoyo. Donc on est difficile en pile pour mon vivre sous bout de ça pour pas t'ap souffrir avec une maladie ça on va citer là tant court et sucre tension alors dit sucre c'est monde qui fait diabète tout monde qui diabétique sucre tension cholestérol gaz acide infection vaginale infection urinaire fibrome gratelle mauvaise haleine et mesdames qui a souffre à fridu à garçon gain problème prostate yo donc on est si nous croiser bras nous pour nous nous pas chercher solution. C'est maladie ou gagnant, cap vous en batte, eh bien, comme ça, naturel, prévention LLC, qui croit que la vie chaque monde est importante sous bout de ça, prend engagement devant bon diacliso pour aider au joint traitement avec maladie. Bonjour là et naturel prévention LLC qui c'est compagnie qui a vendu produit qui fait à base moins gars depuis plus passer 12 l'année dans state Floride là pas dans ses collés avec maladie et pas jamais négocier avec maladie qui donc des produits naturel prévention LLC vous te mettre dit tout maladie mais quoi maman mais quoi papa vin pile le garçon qui pas gain bagno naturel prévention LLC pour la former tes garçons sous pour kavoué katcha pika devant derrière cependant moun ki fait maladie sucre tension cholestérol asthme gaz acide infection gratel et fridu la trier naturel prévention LLC a ban nou solution et a casser dans toute maladie nou gagne contacté et ce matin c'est lui-même qui met naturel prévention LLC hein? C'est ce matin tout qui met compagnie et qui vend produit moinga c'est ce matin tout qui gagne compétence pour préparer un ensemble de médicaments qui capable résoudre et maladie que nous sont cité là traiter avec guérir maladie que nous sont cité là tout c'est ce matin tout qui est capable et qui mettait dehors deux autres produits et une les moinga bideuse à moinga détox qui ca permettre ou faire face à coronavirus avec épidémie fièvre à grippe qui gagne aux États-Unis et ben et relé ce matin et parce que nous connaissons a besoin depuis nous malades nous pas capable joindre relé ce matin dans 754 281-03-48, 754-281-03-48. Pas oublier, nous qu'a écrit ce matin tout dans www.lasantecelavie.com. Pas oublier, placer hors de nous et naturel prévention LLC à shipping ni pour nous. Tout côté nous, y'en a monde là. On nous dit ensemble, vive naturel prévention LLC pour nous carité en santé. Ou toujours dans rubrique bocus publicité hein. Ou sentou malade ou pas contre cause maladie ou là ou bien maladie ou gagnant qui a maltraité là presque voyé dans pays sans chapeau et ben n'a pas invité à chercher traitement guérison dans polyclinique de Franouville qui chita colle dans Delma 75 en face Plaza Publin donc dans polyclinique de Franouville que me référo là parce que c'est une très bonne référence que me baou pas gain service ou besoin et capable joindre pas un service médical qu'au besoin capable joindre dans polyclinique et Fanouville gain un groupe docteur professionnel infirmière technicien laboratoire et la trier qui a supervisé par le docteur Edgar Jean-Baptiste lui-même qui c'est chirurgien général ensemble de professionnels ça yo prend engagement et pour caider joindre traitement et dans domaine ça yo on va citer là tant que chirurgien général ou gain pédiatrie ou gain obstétrique gynéco
ou gen médecine interne, ou gen ORL et moun ki gen maladie nan oreille ni à gauche, ou gen et problème de zo cassé, et ben gen service orthopédique en dedans, et ben et polyclinique de Fanouville et gen tout yon service laboratoire côté ou capable et fait toute qualité examen besoin, a jwenn tout en dans polyclinique là, une pharmacie qui c'est pharmacie Iris côté ou capable acheter tout médicament docteur ou ta prescrit, n'a tout annoncé et polyclinique de Fanouville spécial qui gagne plusieurs têtes, plusieurs branches là-dedans, un spécial pour moun qui gagne problème yeux, un spécial pour moun qui gagne problème dents, et puis au cas bénéficier moun qui gagne maclouclou ou bien qui gagne qui veut faire circoncision capable bénéficier de spécial ça. Parallèlement, un spécial tout de 30% de rabais à tout moun qui veut acheter en lunettes et bien entendu dans optique qui trouve dans même local et Franoville pour les cliniques de Franoville, on a rappelé qui trouve dans Delma 75 en face Plaza Publer. Mais nous le téléphone pour les docteurs, docteur yo, c'est 38 88 19 73 38 88 19 73 ou capable reler autour dans 33 15 50 04 33 15 50 04. On va suivre blocus n'a rappelé jeudi n'a parlé politique dans émission ça avec invité noir qui c'est Mounel Casimir. On a continué à débattre nous en Mounel et nous pourrons regarder l'autre aspect, parce que l'autre aspect nous pourrons regarder, nous parler d'une vision commune qui est capable de transformer le pays, mais vision commune, ça pour dégager. L'idée de dégager à partir d'une démarche consensuelle, l'idée de dégager sur fond d'entente, d'unité. Mais pas gain unité, c'est la division qui règne en maître. M'ba arrivé qu'on est qu'on a une vision globale ça ou bien comment pas arriver dégager vision commune ça. On aller. Donc ma ben je dire que c'est que tout lorsque et parce que une division même pour aller dégager vision commune là. La seule chose que nous gain nous devons conscient nous bon pays qui a fini. Est-ce que nous d'accord si pays a fini qui est responsable? Ma belle mon bagage, nous gens nous défiler devant problème. Ma belle bagage. En un pays d'Haïti actuellement un problème de sécurité. Un problème de sécurité, nous dit c'est ISO, nous dit c'est Tilapli, nous dit c'est barbecue, nous dit c'est Zambosanjo. Mais à aucun moment donné nous pas fait diagnostic des 40 dernières années qu'on a plein de pays crasé pays. Nous par exemple créons l'école en Nabeda, excusez l'expression, pendant les 36 dernières années, montrez pourquoi nous créons la trine en Nabeda, excusez l'expression. Donc ça veut dire que nous n'avons rien fait, alors nous quittons Mounio, arrivé dans la situation que dit là, je veux dire. Et pourtant, nous avons gagné pour nous débattre sur le problème ça, parce que nous sommes tous responsables de la situation pays à retrouver là. Maintenant, c'est nous-mêmes qui pouvons mettre égo sur la dimension de nos deux côtés, de la même manière que Boukman a fait fusion pour faire et cérémonie Boua Kaïmoun, de la même manière que nous avons fait et congrès de la CAIE et le congrès de la CAIE pour unifier le commandement haïtien, hein? De la même manière pour nous mettre la tour dans le sud au combat. Et pour regarder pour pas de problème noir et mulat, et bien c'est tout problème ça, c'est justement c'est lorsqu'on a une divergence pour faire un congrès pour résoudre problème ça pas divergence ça pour unifier pays pour quoi côté nous garder bon c'est comme ça Samuel parce que pas de bagaille bien logiquement pas de commencer par qui ça par un congrès qui comme autant qu'on nous fait comme Guacaimon parce que pour dégager une vision commune ça veut dire que le problème de spiritualité qui est pas le pays pas les travailler sur les jours. C'est un plus gros problème que nous gagnons. Nous deuxième un problème que nous gagnons là-bas, c'est la manière que nous formons nous et du système éducatif nous formons nous, les tuer nous net. Troisième problème qui est parce que nous égaux sur dimensionné. Pas une unification de l'école en Nabédaïti, pas une école nationale. Est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire tel côté bon programme, tel côté bon programme, tel côté bon programme, pas une unification de l'école. À partir de ce moment, comment vous voulez pour payer à diviser? Donc ces divisions, ça, si nous ne faisons pas de diagnostic, ça, nous ne pouvons pas comment. Parce qu'on n'a pas lutté contre un bagage, on n'a pas gardé qui compte échouer, qui cause échec, ou qui s'est mené arrivé là. C'est à partir de ce diagnostic ça pour nous chita, pour nous chita, ensemble, pour nous faire congrès patriotique, là, pour nous sortir dans sa nouille. En attendant qu'on fait diagnostic ça, est-ce que, Simando, est-ce qu'on a quelques des causes
de nos malheurs. Est-ce que vous avez répondu à la question? Quelques des causes de nos malheurs. Bien entendu, le premier bagage qui nous n'avons pas fait ce qu'il fallait en 1986. Première cause gagnée, on ne peut pas jamais travailler sur la question de la production nationale dans le pays d'Haïti. Ça, c'est mon bagage gagné. Deuxième bagage qui gagne tout, qui ça nous fait? Nous ouvrons ventre nous avec tout et nous quittons tout produit, nous importons des produits. En Haïti, nous tuer et nous tuer production nationale là. Nous quitter ou tuer cochon, en fin de compte, nous retirer tout ça qu'Haïtien te gagne amené comme bagage pour te vivre, nous retirer. Donc, c'est un premier diagnostic qu'on capable personnellement. Maintenant, comment on a fait pour ne pas lier avec ça? Pour ne pas lier avec ça, eh bien, ou bien toi le vieux dans mon oui, ou bien la monnaie. Et qui dit la monnaie, c'est combien de volume d'argent que va mettre pour Samuel et réindustrialiser le pays à partir de l'État, pas à partir de privé. Ça, c'est un choix que nous avons, ça, c'est notre modèle. Parce que nous voyons que ce n'est pas privé qui a industrialisé le pays. Qui ça a empêché l'État de dire, moi, pour exemple, très simple. Et, bon, pas quel vieux accord que nous signer, par exemple, ou nous signer un accord que les ACP, Asie-Pacifique. Asie-Pacifique. Mm-hmm. C'est déjà quoi qui va mener nous à quel côté? Est-ce que ça veut dire? Alors, il y a une réflexion profonde qu'il fallait faire. Vous regardez, étant donné que nous sommes membres dans CARICOM, non, qui ça moun dans CARICOM vient manger? Pas manger le bagage, c'est Mazombel, c'est patate, c'est manioc, c'est yom. Nous pas même qu'à réfléchir pour nous dire, n'a pas produit pour nous manger en Haïti, n'a pas produit aussi pour nous bailler de l'autre côté. Ce sont des réflexions, même nous bagage, font une vision. Quelle est notre vision de notre pays? Si vision nous, c'est moins de charité tout le temps, bon, je comprends, le pays a problème. Mais si vision nous, c'est dit que nous avons pris une direction au pays, nous avons mené le pays à un côté, nous pensons qu'on est capable de mener le pays à un côté. Mais pour mener le pays à un côté, il faut que nous unis, unifier nous sous des problèmes concrets en la pays d'Haïti. Est-ce que nous sommes d'accord que le grand groupe n'a pas fini le monde en la pays d'Haïti? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous d'accord pour nous faire production nationale? Est-ce que vous êtes dirigeant nous en panne de vision? C'est pas en panne avec net. Il y a avec net. C'est pas en panne avec net. En matière de vision, ou résultat devant moi, il y a des questions qu'on va me poser, ou résultat devant nous. Parce que justement, il faut être conscient que résultat devant nous, et c'est nous-mêmes qui mène le pays dans la situation pendant les 40 dernières années, et bien c'est à nous-mêmes de résoudre le problème dans tout. Non, même pas, je comprends. Il y a une réunion presque 24 sur 24. Il a discuté, il a réfléchi, mais pas qu'on est. Est-ce que c'est problème, il n'y a pas qu'on est, ou bien il n'y a pas capoté solution? Et puis, qui objectif fait rencontre à la seconde Zayo? Moi-même, je ne vais pas me rencontrer à la seconde, je vais dans le congrès. Implémenté par l'autre bagaille, les anciens magistrats, et bien pour me recoller pays, vous pensez que c'est une solution? Parce que, ma belle, regardez, c'est même gens ou bon famille. Lorsqu'on peut même avoir mon bon frère ou mon soeur, et pas pour quitter 4K ou de pour, d'accord? Nous pas qu'à trouver en tête qui ça nous fait nous aller dans le tribunal. Mais avocat gagne 20%, nous tout perdit déjà. Est-ce que ça veut dire là? Donc maintenant, il faut que nous fassions une réunion de famille pour résoudre le problème. Non. Et c'est cette réunion de famille que nous pensons que M. Ostef est proposé. Pour moi-même, dans ce sens-là, c'est pour moi, mais sens, c'est comme ça pour nous aller pour nous dire bien à côté. Il y a des pays et élections qui permettent que bon décollage qui fait. Mais il faut que l'élection soit honnête, sincère et démocratique. Élection, li kapote solution, mais gede élection tout qui ka gâté sa net. Est-ce que formule élection, bonne élection en Haïti, li ka mette une souraille pour gré avec développement, mais faut gen bon jan élection. Bay possibilité avec peuple haïtien pour faire choix que le mérite. Est-ce que quoi que ça, sans moyen, sans formule de solution à nos problèmes?
Non, justement, mais il était fait choix en 1990, mais quand il menait non, il menait à caser l'armée, il menait à embargo, il menait à faire des bagailles. Le problème, c'est pas faire le choix des élections seulement. Le problème de ça, c'est quel est, qui est le porteur d'un projet et novateur pour ce type pays d'Haïti côté lié. Il faut un projet. Moi, c'est tout à l'heure. Non, mais Gomba, on va noter, et effectivement, 90, mais coup d'État. Pas oublier que coup d'État, pour beaucoup, non, ça tout. Parce que là où le peuple a choisi le monde, c'est vous qui possibilité pour vivre, pour fonctionner tout. Qui t'a l'attitude pour fonctionner, pour être au pouvoir. Mais soit le coup d'État, pour qu'on mette en doute non de compétences, de capacité, de volonté, de vision pour gagner. Justement, c'est le coup d'État qui sauve lui. Exactement, parce que machine n'a pas été retiré, tout le bagage, il n'a pas le craser quand même. De ce coup d'État qui sauvé, parce que peuple n'a pas levé contre lui. Et je pense que c'est ça, mon autre père, qui fait que, eh ben, c'est arrivé dans ce coup d'État fait. Parce que, dis-moi, qui mesure sérieuse qui te prend dans les 7 mois. À part que, lorsque un monde qui est élu comme président, qui capte les deux comme ça, depuis combien de temps député élu, ou dit 6 mois, ou 7 mois, qu'est-ce que vous portez à pays pour le peuple? La réponse, ça veut dire, vous voyez, aller éliminer mon nom. Mais ma brave pour ma gueule. Et Hitler, tout est bien élu, tout, vous voyez, mais ça le débat comme catastrophe, tout. D'accord. Donc élection, donc, on va aller. Vous pensez que le problème, ce n'est pas un problème d'élection, c'est un problème de diagnostic qui côté nous allons payer. Et c'est le premier bagage pour nous garder qui côté nous allons aller avec pays avant. Ça, c'est la première des choses. Mais je vous regarde bien. Qui c'est le peuple haïtien dit? Le peuple haïtien dit, je dis, je ne veux pas le gouvernement pas capable de sécurité. Premier point, c'est pour la sécurité. Est-ce que d'abord là? Deuxième point, il dit comme ça que. Ça fait 30 ans que nous avons tout le monde dans le pays d'Haïti. Pas jamais un jugement, toute l'enquête se poursuit. Nous pas jamais un jugement. Donc, et puis c'est corruption qui a fait dans le pays d'Haïti. Donc, les deux, c'est lutte contre la corruption et contre l'impunité. Deux bagages. Troisième bagage, il dit, depuis 20 ans, toute élection qu'on a faite là, c'est le résultat des fraudes électorales. D'ailleurs, même élection 2017 là, c'est lui qui a abouti à l'assassinat du de président de la République dans sa maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire une réforme institutionnelle et en dans le pays là, pour refonder le pays là. C'est ça. Et dernière chose, nous constatons tout, c'est parce que c'est étranger qui a financé l'élection. Nous, maintenant, nous ne voulons plus que les étrangers financent les élections dans le pays d'Haïti. C'est tout, quatre problématiques ça, qu'on met des sous-tas. Et ensuite, nous pouvons regarder comment nous pouvons construire le pays nous ensemble. Et de quoi Haïti a-t-il besoin? Qu'est-ce que Haïti a besoin pour sortir dans sa lia, pour s'en sortir? Haïti a besoin des patriotes chevillés autour de ses intérêts. Tout simplement ça. Il a besoin des patriotes chevillés qui tâchent à intérêt pays, mais pas à propre intérêt pâle. C'est ce que ça veut dire là. C'est intérêt pays. Donc, ma belle bagay. À notre âge, là nous gagnons. Qui président que vous pensez que nous avons tête pour que parents nous disent que vous êtes en tête comme le président? Dimion. C'est une question posée, bien Richard. Et c'est FM Blaise répondre maintenant. Bon, regardez-moi qui est. Non, mais. Dumas a estimé. Dumas a estimé, il parlait de lui en plus. Exactement. Tout le reste passé dans l'oubli. C'est une question. Hein. Voilà ce qu'on a besoin. On a besoin de nouveau Dumas a estimé pour retirer à côté de lui. D'accord. Pas raqueté. D'accord, on va regarder. Mais où se trouvent ces patriotes? Côté où est-ce que son dans les rares. M'a dit pas gain, mais son dans les rares. Bon, crise patriotique, on va connaître. Ou pas jeune ou en pile, ou pas en pile. Parce que plus gagne à Boloucho que patriote. Non. Patriote là, oui, il y a des gens qui mettent un costume patriotique sous lui, mais il n'est pas patriote. Faux nationaliste, il y a pseudo-nationaliste, il y a pseudo-patriote tout. Il y a patriote. Je ne vais pas dire que je suis pas patriote. Je ne vais pas exagérer dans ce sens-là, même si vous êtes dans les rares.
Non bon? Parce que patriotisme, vraiment des fois prouver et faut poser des actes patriotiques pour montrer. C'est pas parce qu'on a radio à parler puis qu'il y a des situations présentées devant et pour essayer de pouvoir où t'es besoin. Ouais, nèg là, c'est ton poste qui t'es besoin. Cherche un poste dans l'État, pas fait de un patriote, non? Ou bien à pata qu'on pouvoir parce qu'on y a c'est les situations présentées et m'ta dit bateau a sorti pour couler et puis on dit côté patriote yo côté nationaliste yo et pourtant souvent se va chercher les collabos pour craser pays ça les plus facile pour les collabos que les patriotes que les nationalistes m'ba konn sou comprendre approche ça m'comprend approche mais ça toujours comme ça élite la plus souvent le corrompu. Quel que soit élite là, le plus souvent, c'est une question. Mais, on toujours joue des patriotes, et ça, tout à l'heure, pour exemple, où t'as un grand pays d'Ago, la France, et tout est fait des collabos en 1939-40, mais le général de Gaulle dit non, elles sont là. Ou t'as pas besoin de résistants, ou t'es capable de jouer une élite haïtienne qui était collabo, tout, ou jouer une élite qui était collabo, et Jean-Baptiste qui dit non, ou t'as une Pierre Sully qui dit non, elles sont là. Mais ça a toujours existé, et aussi, du fait que question de nous poser tête nous pour nous poser tête nous c'est pour qui ça c'est autour de nous même dans l'élite là gens qui trahi moi ça c'est une question qu'on pour nous poser pour nous réfléchir sur lui et beaucoup parce que lorsque tu contrôles pas ton système éducatif et ben ou capable traite à n'importe quel niveau d'ailleurs nous on dit qu'on sans patriotique c'est pas formation non qui bon patriotisme là c'est famou et la famou qu'on ressorti a ou bon attachement pour à pays a et cet attachement à pays a permet qu'on gagne on est la patriotique mais c'est pas bagaille que qu'on bonne facile et c'est plus et, pas éducation vous bon pas éducation familiale surtout par exemple on va garder ou pas qu'a dit comme ça me carité insensible lorsque de lever et un petit côté que les chalons sous un rayon de 2,5 km à 3,5 km côté que tu gagnes 9 usines 11 buildings je dis à ces hôtels qui gagnent tellement pour qu'on est quand même content dans le bagage ça veut dire que nous ouais qui situation que pays a retrouvé qui marche arrière que pays a fait et ça vient poser problème. Dans la même foulée ben non quelques noms des patriotes qui ont marqué l'histoire de ce pays. Ah, mais au gain des Salines qui marquait l'histoire du pays, ça, au gain Antenor Firmin, patriote zélé, qui marquait l'histoire du pays, ça, au gain Charles Maïperal, ou gain un état pour Sager, qui marquait l'histoire de ce pays, ou gain qui est encore, ou gain, ou gain une légitime de patriotité et tout. Vous bon? Donc, vous avez des patriotes quand même en Abéya. Donc, t'es gagné. Pendant le 21e siècle, on va recenser rien, on va répertorier rien. 20e siècle, 21e siècle. On va mettre deux, trois patriotes dans l'histoire du tout. Ni dans le 20e siècle, ni dans le 21e siècle. 20e siècle, là, on est capable de. Firmin était fait 19e siècle. Firmin c'est un beau patriote. Et qui est-ce n'est qu'un comme beau patriote? Maniga c'est un patriote ou bon, Leslie Maniga hein? Dans 20e, 21e siècle c'est un patriote. Après ça bon, pas qu'on est pas fait tout inventaire mais pas tellement ouais non. D'accord. Mais qu'on y a là on est toujours on est en tête toujours. Mounel. Dans Samuel là. Pas gagné du tout, pas gagné dans classe politique là, pas gagné dans classe et pas gagné dans patronat, pas gagné dans élite là, pas gagné du tout, pas gagné dans l'église. Non, on va pas dire ça et on va pas dire pas gagné dans l'église ni dans patronat. Patronat gagne mon sérieux là dedans tout, c'est il gagne mon sérieux là dedans, on va pas faire tout bagage ça. Gagne des vrais patriotes dans patronat, gagne des vrais patriotes des monde qui dans l'église. Mais peut-être caché par les faits politiques parce que qu'on est et au point lorsque c'est cocorato qui a fait politique donc l'empêcher lumière et river non bah parce que Babino Bagami il y a toujours baro parce que pas bien voir pas dans l'aspect politique là c'est bouche monde pour qu'on capable river c'est pas jamais on travaille à construire ensemble hein vous comprenez Babino là donc pas jamais et pourtant pas grand monde qui calé pour un cercueil pour compter, il faut au minimum 4 monde qui pour lever cercueil là. Est-ce que ça veut dire le pays est un cercueil? C'est tout petit pays qui pour c'est tout petit pays qui pour
qui pour le VBI. Eh bien, Kounia Mbalmando, bon mon liste de conseils de traîtres qui marquent l'histoire de ce pays aussi, parce que ça est important tout. Oui? Non, bagaille ça, mon cher. Faut bien traiter, mon cher. Bon, c'est pas les bagailles. Pas oublier que c'est traite qui mettait pays à côté de là, oui. Des salines, c'est pas traite, trahison. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas s'annier là, vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut identifier traite, yo. Faut identifier conse, yo. Nous ne pouvons pas identifier. Mais il faut faire l'histoire, tout. Vous comprenez? Il faut faire l'histoire, vous ne pouvez pas dans tête, tout. Non, mais c'est plus que les patriotes, alors que identifier patriotes, yo peut pas identifier conseil, yo pas identifier traite, yo pas mon analyse, on pas comprendre, yo Jean Fossé, deux poids deux mesures. Non, en politique, mais en politique, c'est les résultats qui comptent. Faut chercher patriote, avoir des résultats patriote, pas chercher conseil, avoir des résultats conseil. Vous comprenez? On garde des résultats pays, on garde des conseil, si c'est patriote. Mais ça veut dire que le conseil est majoritaire, oui, là. Puisque le pays a ses traites, bah, qu'on est. Toute l'histoire de ce pays où elle chita sur la trahison. On va d'accord avec moi. Nous avons des résultats pays, on comprend. On va répondre. Résultat salié. Salié, Monel, résultat salié. Oh, est-ce qu'on a marché dans Pétionville? Ou qu'on a marché dans le pays avec Fatra? Ou ka mache quoi des bouquets, ou ka mache quoi des bouquets, etc. pour ça qui a passé. Mais son résultat, tout. C'est le résultat de nos prises en compte des revendications populaires. Ça veut dire que c'est le résultat de la trahison de toute l'élite haïtienne depuis 86 à nos jours. Matière grise. Les élites politiques. D'accord. Les élites politiques. Matière grise, pays à gain et dans la diaspora. Comment on va utiliser à bon escient dans ça que m'dare la relance et économique d'Haïti, m'dare dit dans développement pays d'Haïti, parce que grand bande monde c'est matière grise au Canada, yo en France, aux États-Unis, vous comprenez, alors que yo même yo doit contribuer dans solutionner problème pays ado, parce que m'parle seulement pour c'est sur internet yo y a parlé, etc. Qui ça concrètement matière grise ça au café pour retirer pays à dans salier là? Ma bon bah concrètement moi même c'est spécialiste de la formation technique et professionnelle, on t'a proposé service mais tu vas pas me dire. Vous comprenez? Et pourtant le problème formation technique et professionnelle dans pays, beaucoup gens comprennent qu'un pays qui a fonctionné pour bon nèg qui ingénieur et puis nèg qui vient former dans son nèg qui déformé comme manœuvre et qui vient former. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut régulariser problème ouvrier, problème technicien, problème ça. Donc, c'est formation pas moi. Donc, si je propose des services, je ne vais pas vous dire. Est-ce que ça vous l'a? Mabdo, et seul ou nek, on garde un hommage. Il y a deux mouns qui garde un hommage dans le pays d'Haïti sur bagage ça. Il y a un premier ministre qui était Jacques-Édouard Alexis. Mabdo, comment que Jacques-Édouard Alexis était dans mon poste en Haïti? Parce que non, même devant mon poste en Haïti. Jacques-Édouard Alexis vient faire une conférence en France. Il fait une conférence sur la vision que gagne de l'éducation en pays d'Haïti. Une simple question, je me pose Jacques-Édouard Alexis, c'est que je n'étais pas d'accord avec Jacques-Édouard Alexis sur sa vision. Je lui ai posé une question, quelle est votre vision de l'éducation dans mon pays? À partir de ce moment-là, seulement question. Après question, nous sommes rencontrés, on a discuté, là nous discutons, voilà comment on va rentrer dans le pays d'Haïti. Est-ce que ça veut dire là? C'est Jacques-Édouard Alexis. Donc, monsieur respecte les valeurs. Ah non, Jacques-Édouard Alexis, c'est un homme d'État, c'est un homme qui respecte les valeurs. Mais, après Jacques-Édouard Alexis, deuxième, c'était un homme qui était directeur INFP, directeur général INFP, qui était David Genesté. David Genesté, je l'ai rencontré une fois. En 5 minutes de discussion, monsieur dit comme ça, mon cher Gonzague, si moi-même, moi j'étais directeur général INFP, je ne pense pas avec vous. Ça, on m'a demandé, les députés, qui est-elle sélectée, même côté. Mais après ça, quel que soit son coup, ou toujours un blocage. C'est une question, hein? Parce que, problème, et pas problème pays à résoudre. C'est problème, pas nous qu'à résoudre. Alors, ou même, ou entrer dans la politique pour dire que, la politique, c'est qui ça? C'est l'art de bien faire, c'est l'art de bien diriger. C'est ça la politique et résultat au bout. Je ne sais pas si bien. Tout fier à ton nègre, là, on fait politique. Et tout fier à ton nègre, c'est pas l'argent, non, en politique, non?
toute fierté ou c'est qu'est-ce que j'ai laissé dans zone côté me faire qui ça me laissé pour génération aux générations futures là m'a bon bagaille m'a bon l'autre ou homme politique c'est pas moi qui dit gagne un président américain on veut que ça dit lui dit comme ça que si on est président des États-Unis nous venir c'est roloy arrête tout mat est-ce que ça veut dire là ça veut dire que on pas qu'à faire politique pour riche ou faire politique pour servir et c'est ça qui fait que le gros problème que nous gagnons là nous besoin on l'état serviteur et nous besoin l'état serviteur ce que nous n'avons pas pour et pour l'instant voilà le gros problème que nous gagnons en Haïti n'est pas faire politique pour faire l'argent nous pas faire politique pour quitter nous bien pour quitter nous dans l'histoire pour dire bon j'ai essayé de faire quelque chose après nous les 4 mois de Maniga passe au pouvoir. Mais quitte une petite trace quand même. Si Maniga est arrivé faire 5 ans au pouvoir, je vous dis bien, madame là, non? Et c'est ça pour garder. Et qu'on soit au cas où il y a un peu de temps, et l'amour pour le pays. Mais il y a des gens qui sont intéressés par le pays. Oui, mais on se bagaille qui attire l'attention. Vous avez dit qu'il n'y a pas besoin de compétences. Mais en pile, l'amour qui a dirigé Haïti, c'est dans la diaspora ou quand vous avez dit tout. Après tout bagage, vous devez ou faire politique pour deux choses. Soit faire pour l'argent, soit que vous faites pour servir. C'est une question. Ça qui est même pour l'argent, ou que nous discutons avec vous, ou est tendance, pas d'accord, ça va pas passer de nous faire l'argent. Est-ce que ça me là? Mais ou même qui gagne, par exemple, on connaît c'était petit ou grand don. Mon grand-père qui était une grâce. Et en politique, c'est calme, il faut quitter trace. Est-ce que ça me dit là? Quel négatif, quel positif? Moi, je ne vais pas quitter trace négative, je vais quitter trace positive. Est-ce une question? Mais les gens ont peur des gens qui peuvent laisser des traces positives. Est-ce que ça me dit là? Donc, vous préférez ça comme et trace négative là. Pour répéter Maniga, on a peur de l'intelligence en Haïti? Non, pas qu'à dire ça, parce que parfois tout, faut nous regarder que est-ce que l'intelligence a été vers la quantité aussi, et pour, dans la quantité à qui pour bas aussi, parce que faut que nous pas une grosse tête, parce que nous avons dans des règles dit qu'on sache que le savoir est arrogant. D'après mes ancêtres qui s'appellent Tao Tep, le savoir amène la sagesse. N'a continué, mon ami. D'accord, n'a continué à débat. Nous allons regarder. En principe, je dis, hein, qui t'a doué principale revendication population, mis à part deux. Et problème sécurité, hein, c'est principale revendication. C'est qui s'allie, n'a pas eu une après l'autre. Présente-toi à partir de nos schémas. 1, 2, 3, 4. 1, c'est sécurité. 2, lutte contre corruption et impunité. 3, c'est que réforme politique institutionnelle pour refonder le pays. 4. Foc et élections en Haïti pas financées par, par les multinationales internationales. C'est 4 revendications. Est-ce que vous pensez que il y a possibilité pour la population de jouer une satisfaction à ensemble de revendications qui constituent un blocage et à revendications? Ça dépend de force population, mais si population a fait, pas de bagaille bien. Comment on va comprendre pour négocier pour le comme que après population passer dans bêtise, il barricade la ville. Pendant ce temps ou même petit tour à l'école à l'étranger, d'ailleurs, nous font genre pour petit, nous pas même né en Haïti pour des nationalités étrangères. C'est une question. Même la nationalité étrangère, ou pour le premier militant comme Michel pour monter Pécamite, pour manger Pécamite pendant qu'il n'y a pas tombé à terre. Ou qu'on ne pas qu'on tombe. Si ton pied sapot tout est monté, ou l'on pond de sapot, il y a quoi tout chon, on brèche sapot, il y a sapot, il y a mis la tombe, mais on caïmite va tomber. Et c'est chez la pêche en l'air. Voilà ce qu'on a, voilà l'image que j'ai de la classe politique haïtienne. Donc, comment on va demander au peuple, pour dire peuple là, qu'on s'abat et qu'à t'y avenir, ou tout, mais c'est pas sérieux ça. Ou bon, voilà ce que nous avons comme ça nous gagne comme élite qui mettait pays dans la situation aujourd'hui. Bah, c'est l'avenir. Pendant ce temps, regardez pour vous dans toute institution, l'État, ambassade, tout partout. Même les gens qui font genre pour petit pas de nationalité
haïtienne parce qu'il pas qu'elle en Haïti mais pas vrai petit l'école dans l'école haïtienne pour dans l'école haïtienne non même si la bible en Haïti mettez dans lycée français lycée canadien lycée c'est pas connait mettez dans lycée haïtienne et puis demain c'est l'école qui peut aller même type peuple comme dans la il y a c'est le même qui va jouer là quoi vous trouvez c'est normal ça c'est une injustice totale et capitale nous pas peut gagner l'école d'ailleurs moi nous regarder c'est parce que nous même diaspora nous conscient si nous étions conscient des forces nous c'est pas moi qui dit c'est Yuri la tortue qui dit nous gagne nous bail 222 millions de dollars et nous prenons comme taxe 1,50$ pour faire l'école en Abéli, mais mon coup nous pas faire et en Abéli d'Haïti. Donc nous devons mobiliser la diaspora, demander, diviser ça par 42 arrondissements, par chaque arrondissement, par ça fait 22 millions. Et par département, 22,2 millions par département, ou bien divisé par arrondissement, par arrondissement, qui ça pour faire. Mais c'est une bataille à mener aussi. Mm-hmm. Qui sont en café à classe politique traditionnelle là? Est-ce qu'il y a un cas renouvelé? Si oui, comment on a arrivé dans le renouvellement ça? Ah, c'est une bonne question pour le deuxième là, oui, ça, cher. Et c'est compliqué. Est-ce que nous avons passé? Ou même faut me répondre? Oui, il faut répondre. Puisque c'est n'a cherché solution. Et solution n'a cherché. Pas oublier que. Lorsque ta manifestation, nous fait 4 rap manifester pour jouer dans l'allée, pas vrai? Nous te disons que jouer dans l'allée, pas bien problème de sécurité encore. Est-ce que c'est ça? Nous te disons que nous devons faire transition de rupture. Est-ce que c'est ça qu'il fait? Donc, faut peuple à suspendre pour mentir dans le même monde. Ou peuple là et mener un autre combat. Donc maintenant, nous-mêmes qui a réfléchi, intellectuels, tout le monde qui patriote, pas parler tout intellectuel patriote qui a réfléchi, Bakone, Bilolo, Jean-Philippe Zemé, Bakone, Makatu, tout. Faut que nous arrivions côté moi et nous chita et pour nous chita pour une bike, pour nous dire monsieur, il y a des choses à faire ensemble, parce que nous avons des choses à faire ensemble. Pays à pays, est-ce qu'il n'a plus de pays ou il n'a plus de dehors? Parce que si on reste qui nous était, bon, bah, comment plus que 20 ans encore? C'est une question. Hein? Donc, si ça me fait qu'on a balayé dans le pays, ben, on a balayé dans le pays, on va quoi, génération pas nous, hein? Bon, nous tellement mauvais manger, parce que pas même avec génération de gouvernement qui est arrivé jusqu'à 100 ans, qui était qu'on a balayé, qui est 97 ans, qui a séclé toujours. On tape de là, c'est pas même génération, nous-mêmes nous mangeons vieux dirigeants blancs. D'ailleurs, même réflexion nous pas qu'à faire en notre pays. Si nous réfléchissons, nous pile les dirigeants, ou bien les moulins dirigeants, pas les dirigeants blancs comme ça. Sous les dirigeants, on va acheter des dirigeants blancs comme ça, quand ils lavent avec son job, qui s'accapote de nous comme maladie. On tape de là, il y a toute une réflexion qui peut être faite en notre pays, quoi, j'en fais. Mais question deuxième, non, est-ce que nous sommes capables de faire. Renouveler. Ah, il faut qu'on renouvelle ma classe politique là parce que ça fait 30 ans. Mais comment ça fait? Comment ça fait? Il faut qu'il y ait de jeunes qui émergent, mais comment elle va le faire? Le problème, ce n'est pas l'âge. Hein. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu as? Soit bien dans côté pour le pays. Est-ce qu'on aime le pays? Par exemple, je ne sais pas bien. Souvent, des gens qui votent bien, je ne sais pas si c'est le chalon, mais c'est là que je fais. Est-ce que une question? Après, je ne sais pas si chalon. Mais avant tout, chalons, mais si Haïti a un problème, je suis haïtien. Que ce soit un problème dans Iwana, mais un problème dans n'importe qui côté, il concerne Haïti, ça me concerne. Est-ce que ça concerne? Mais il faut avoir l'idée de pays. Et ça, ça me dit comme ça que dans la politique, il y a trois bagages pour faire. Un, trois bagages pour faire, ou je dis comme ça, dans ce premier temps, il faut avoir des idées. Deuxième temps, il faut avoir un débat. Troisième temps, faut trouver convergence. Eh bien, à partir de ce moment, et quatrième temps, faut appliquer et témoigner et lutter. Et ça nous parce que nous pas qu'à faire politique sans idée. Depuis 1986, ça fait politique sans idée. Parce que nous faisons des copier-coller, et en faisant des copier-coller, nous venons de l'autre bagaille, il va y avoir ça pour répondre dernière question ça pour nous et dans des conseils de patriotique on a dit bon Haïti son pays souverain nous même nous pas prendre l'ordre OK il y a l'autre même qui dit son pays occupé il parlait de la mise sous tutelle d'Haïti et qui est-ce qui vraie vérité dans pour ça dans réflexion ça bon et faut d'abord définir souveraineté avant de répondre la souveraineté mon dieu sont triangulés.
sommet triangle là c'est la monnaie. Ou bien deux points qui fait base là, c'est la défense et la constitution. C'est ça moi le souveraineté. Si haïtien connaît une défense, la monnaie pas li gen maîtrise sous monnaie là, et puis gen maîtrise sous constitution là capable dire pas un problème nous gen souveraineté. Ben jusqu'à présent moi que les augmenté gaz en dans pays d'Haïti, c'est pas le ministre a pas dit que c'était haïtien content, il est FMI content. C'est une question. Donc ça veut dire que je n'ai pas de souveraineté monétaire. Est-ce que ça me dit là? Donc ou pas capable pour pays indépendant, ça c'est faut que tu pas droite pour dire son pays indépendant ou son pays pas même occupé. Si mon nation occupé le occupé, est-ce que ça me dit là? Donc c'est des obligations gain l'autre petit monde qui est ensemble avec ou bien des obligations vis-à-vis de lui, est-ce que ça me dit là? Mais si c'est dans la rue on prend de temps en temps ou dit que ça pour faire, c'est pas même bagage, c'est exactement et on peut nous une machine. Bah numéro de téléphone nous c'est 15 amis en Haïti à l'étranger qui t'a remis contact au Monel. 33 6 25 74 60 67. Vous pouvez prendre encore 33 6 25 74 60 76. Merci en pile du fait que vous acceptez répondre à la question de jeudi hein dans blocus Monel Casimir. Merci Pierre Richard et merci à tout le monde d'attendre nous aujourd'hui aussi. Merci un peu l'autre fois encore et puis merci à Dimitri Loture, merci à Balbito. Pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions, analyses, écrivez dans deux numéros WhatsApp 37 62 47 95 37 30 60 79. Pas oublier tout écrivez dans et adresse électronique point qui c'est Guillaume 265 à commercial gmail.com. Pas oublier et blocus et à bien pour le fêter grandiosement et 9e anniversaire. Pas oublier abonner avec Chanel Blocus hein, et puis tant qu'on toujours mandé nous pas oublier tout faire plaisir à l'abonner avec Chanel Pamna, à l'abonner avec Chanel Pamna qui c'est Pierre Richard Guillaume Info ou a besoin en pile surprise hein, sous Chanel ça et on Chanel on t'a capable dit mondial bien entendu. Merci à vous tous et à vous toutes qui avez suivi Blocus pour te présenter émission ça dans micro en Pam. C'est Pierre Richard Guillaume que tout le monde connaît sous nom P R G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Télé-Storm pour servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir politiquement. Au revoir.